Et je vais vous en proposer deux. Il y a le géomètre de Monsieur Berthold. Je trouve que son géomètre ainsi que son astronome, c'est vraiment l'empreinte du rêve. Et puis, c'est d'une poésie malgré ce fond noir. Et ça donne une certaine espérance en disant qu'il faut penser au présent plus qu'à l'avenir. On fait l'avenir avec le présent. Et l'autre, je rejoins, si l'on peut dire, les goûts de Ming sur la peinture de Courbet. C'est là, en regardant les peintures du musée, c'est cette trombe ou déferlante, je ne sais pas comment elle s'appelle exactement, qui est l'image de notre époque en ce moment, avec ce capharnaüm de la nature qui est extraordinaire. Elle est glaçante, cette toile-là.